Bonjour, bonjour. Juste avant que je commence, vous êtes dans cette saison appelée à vous discipliner. Je crois que j'en parlais depuis hier. Il y a la discipline. Et j'avais montré ce matin en fait que il y a des plafonds que vous ne pouvez passer si vous ne passez pas certains tests. Et malheureusement, beaucoup de personnes échouent leur test. Parce que parfois, on est précipité. Beaucoup de personnes échouent leur test parce que c'est comme si vous faites l'effort. Il n'y a pas une vigilance. Je reçois un monsieur l'autre jour. Après, on me dit que chez lui, il doit avoir la croix. Ou dans son bureau, il doit avoir quelque chose qui représente Jésus. Il me dit, hier matin, je pensais à ça. Il y a beaucoup de choses qu'on vous dit. Vous écoutez, mais vous ne faites pas. Le spirituel, c'est la somme de petites choses. Petites choses. Toutes petites choses que tu fais. Tu obéis ici, tu obéis là-bas. On te dit, va là-bas, tu pars. Je sais que parfois vous attendez à des miracles. Peut-être que les miracles sont les sommes de petites choses que j'ai ajustées. On va lire Paula. Il y a une énergie sur toi, une énergie de ralentissement qui fait que tu rames un peu avant d'avoir de l'argent. Donc là où c'est facile pour les autres, toi, tu as un peu des difficultés. Ou bien tu bosses et puis on te récompense pas. Je vois aussi beaucoup de culpabilité. Tu te sens, peut-être tu t'en veux. De n'avoir pas réussi quelque chose ou encore d'avoir perdu, peut-être perdu un enfant, quelque chose comme ça. Et tu as beaucoup d'opportunités qui arrivent, mais c'est comme si en toi, il y a quelque chose qui te fait rater tes opportunités parce que tu ne crois pas en toi. Et tu ne travailles pas assez sur toi. Pourtant, tu as un esprit de leadership. Tu es une personne qui est censée diriger, guider les gens. Je rappelle qu'un leader, ce n'est pas forcément... Un leader, ce n'est pas forcément quelqu'un que... On ne reconnaît pas le leader parce qu'il je sais pas comment on peut dire. Parce que les gens lui sont soumis. Un leader, c'est aussi parfois celui qui sert. Voilà. Ta parole est très puissante. Et tu devrais faire des vidéos où tu... Pas les vidéos où tu imites les gens, mais les vidéos où tu dis ce qu'on t'inspire à dire. Et tu as aussi ce don de communication qui est très accentué. Tu vois aussi beaucoup de jalousie autour de toi. On bloque tes idées ou tes rêves. Non, tu as dans le futur, tu seras appelé à avoir des responsabilités dans ta famille. Donc, c'est peut-être toi qui vas être la première petite fille à faire telle ou telle chose. Donc, tu as des responsabilités dans ta famille. Et tu seras appelé aussi à beaucoup voyager. Donc, peut-être tu as demandé des visas, on a beaucoup refusé. Parce que l'un des signes des personnes qui sont appelées à beaucoup se déplacer, parce qu'il y a des onctions. Il y a des gens qui ont des onctions de déplacement. Oui. Par contre, moi, comme moi par exemple, de 19 à 21 ans, je voyageais beaucoup. Pendant 6 ans, j'étais bloqué parce que je n'avais pas de papier, je ne pouvais pas me déplacer. Et après, j'ai recommencé. J'ai encore arrêté pendant 3 ou 4 ans. Et depuis là, c'est tout le temps que je me déplace. Donc, il y a des personnes qui ont cette tension-là.
L'ennemi va venir mettre donc des blocages et ça va t'affaiblir. Voilà. Donc il faut que tu travailles sur toi. Pour te faire quoi? Un lavage à distance. Tu prends un kit désenvoûtement d'abord. Après, tu prends un kit fondation. Donc, Valencia, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Bonjour, bonjour. Je sais pas, il y a des gens qui sont en train de bloquer ce matin. Si vous restez, vous voyez que ma page vous est bloquée. Donc, ne me cherchez plus pour me suivre. Et j'ai envie, je veux même plus vous lire, je veux plus vous voir dans mes directs. Oui. Donc, ça c'est une femme de l'eau, mais elle est bloquée. Du côté familial, il y a beaucoup de choses que la famille a mises. Et il y a aussi beaucoup d'inquiétudes. Elle s'inquiète beaucoup. Elle a des dons de voyance. Mais ses pouvoirs de l'eau n'ont pas été activés. Demande-lui de prendre le. Elle doit se laver avec le sel sirène. C'est un nouveau produit. Elle demande le sel sirène. Elle se lave avec ça. Elle doit beaucoup faire le chapelet. Il y a aussi beaucoup d'attaques mentales. Elle a beaucoup de troubles de personnalité. Parce que l'ennemi connaît que si elle sait qui elle est, elle va réussir forcément. Donc parfois elle peut se dire, ah, je sais qui je suis. La minute d'après. Elle doute, voilà. Elle a des dons de guérison même dans les mains. Il y a des personnes qu'elle doit guider. Elle est aussi un guide spirituel, mais très attaquée. Demandez-lui de faire formation mission de vie. La formation mission de vie, elle achète ça. Et elle demande un soin énergétique et lavage. Elle prend le kit des emboutements. Ton mari, tu fais beaucoup pour lui, tu le portes quasiment et malheureusement ça t'épuise, un peu comme si tu t'es trop vite marié. Et il vient d'une famille où on l'a beaucoup bloqué. Oui, et bien sûr on passe par toi pour l'aider, il faut demander un rituel de protection pour lui. Il y a beaucoup de personnes cachées, il y a beaucoup de visages. Parfois, on attaque dans le rêve avec le visage d'une autre personne. Donc, les gens, quand on a bloqué sa lignée, ils ont fait de telle façon que pour identifier même l'esprit qui dérange, c'est très dur. Donc, du coup, ça affecte sa vie dans le sens où on lui promet des choses, on ne lui donne pas. Et il a beaucoup de problèmes émotionnels, comme s'il n'est pas stable émotionnellement. Oui. Et c'est quelqu'un de très créatif. Mais il n'exploite pas cela. Et aussi, je vois comme s'il ne travaille pas sur lui. Hein. C'est vraiment, je crois que c'est toi qui vas vraiment le tirer dans ce sens-là. Il ne travaille pas sur lui. Il néglige même, en fait. Et c'est comme si quand tu fais tes choses, là, il te regarde. Bon, son cœur ne croit pas vraiment. Il faut purifier votre maison. Tu vois, comme si là où vous vivez, ou bien là où il vit, il y a beaucoup de... Il faut verser du sel. Il faut allumer des bougies. Il faut demander les bougies, il y a des bougies que j'ai bénies, que vous allumez à la maison. Il y en a qui retirent les mauvais esprits. Voilà. Tu dois avoir de l'assurance. Si on te demande de faire quelque chose pour lui, il faut faire. Mais il ne faut pas avoir peur pour tes finances. Oui. Il doit faire un couronnement. Et demande un rituel, je vais demander protection pour lui. Et un lavage fondation. Bonjour, bonjour. Vous venez, vous me donnez vos noms. Je ne vous lis pas comme ça. Vous ne me connaissez pas. Vous venez d'arriver sur mon direct.
Donc, je me pointe, je prends mon téléphone, je mets ici là. Je paye ma connexion pour vous lire gratuitement. Je ne fais pas le gratuit. Ok. Donc, ne vous cassez pas pour mettre votre prénom ici. Je ne fais rien avec votre prénom. Je ne fais rien avec. Excusez ma vie. C'est un ange de la joie, cette dame. Elle aura beaucoup d'argent. Mais je vois aussi des blocages de sa famille, dans le sens où, depuis qu'elle est petite, on danse, il y a des blocages, on bloque les femmes de sa famille. On les bloque. Oui. Non, il n'y a pas de problème, Eagle Eye. Non problème. Vous ne saviez pas, je comprends que vous êtes nouveau dans mon direct. Donc, c'est une personne, elle aura beaucoup d'argent. Je vois beaucoup d'argent. Elle doit beaucoup se retirer, se discipliner. Elle a un problème de genre, c'est le genre de personne que si elle décide de jeûner cette semaine-là, les hommes vont la draguer et elle va casser son engagement avec elle-même. Oui, sa puissance réside à l'intérieur d'elle-même. Sa puissance réside à l'intérieur d'elle-même. Donc, elle a besoin de choisir sa voie. Parce qu'elle suit beaucoup les gens. Et elle aime m'appeler à être connue sur les réseaux sociaux. Il faut qu'elle fasse des vidéos pour parler aux gens. Oui. Elle est très connectée. Elle est très connectée au guide. Très. Malheureusement, elle ne travaille pas sur elle. J'ai besoin que... Elle ne... Consultation privée. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Pour que je vous consulte, vous devez commencer à vous laver avec le sel. Et si vous mentez que vous vous lavez avec le sel, on ne pourra jamais se parler. Parce que mes esprits ne vont jamais permettre. Il y a beaucoup d'entre vous ici, là, vous êtes menteurs. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous regardez, là, vous mentez. Que je me lave avec le sel, alors que vous ne lavez pas. Donc, pour qu'elle consulte quelqu'un, il se lave avec le sel. Voilà. J'ai donné le numéro. 237 693 50 22 66. Sur ma page, il y a aussi le numéro. Si vous aviez un peu de patience et vous voulez quand même chercher, vous pourrez voir mon numéro sur ma page. Voilà. Donc, elle est une sorte d'éveilleur. Elle est quelqu'un qui va éveiller des consciences. Mais elle doit passer des tests. Elle a des tests qu'elle doit passer. Un peu comme Joseph. Il y a le test de la discipline, le test de la loyauté. Il y a aussi un test qu'elle va passer, genre, est-ce qu'elle pourra s'occuper de la chose d'une autre personne? C'est une personne choisie, mais est-ce qu'elle va passer ces tests? Oui, et il faut qu'elle prenne Embellis-moi pour son visage. Le produit qui enlève les voiles sur le visage. Elle prend aussi le kit fondation. Elle demande un lavage ou le désenvoûtement. Ok, qu'est-ce que vous avez pour Mylène? Madame, cela, elle demande l'étude tous les mois. Elle veut voir ce que Dieu a pour cette saison pour elle. Ses responsabilités vont être un peu plus confirmées. Elle sait de plus en plus ce qu'elle veut. Ça se raffine. Son plus grand combat, c'était d'accepter sa mission. Bonjour Marianne. Son plus grand combat, c'était d'accepter. Je vois qu'il y avait un combat dans son aura, dans le sens où elle ne... Elle était dans une prison inconsciente qui lui était imposée par elle-même et ça la fatiguait. Ça, c'est le cas de la relation qu'elle a dû laisser. C'était une relation karmique. Et c'était dans une prison, ça l'avait mise dans une prison. Là, il faut vraiment qu'elle accentue les vidéos qu'elle met sur les réseaux sociaux. Elle va commercialiser ses dons. Et la parole, waouh, elle pourra lire les gens. Voilà, donc cette relation qu'elle vient de laisser totalement, c'était une tromperie. Le monsieur l'a trompée. Et c'est comme si il y avait un joug qui faisait qu'elle ne pouvait même pas voir. Et ça l'essoufflait. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'arrange pour que je lui fasse le soin énergétique cette semaine. Je sens quelque chose dans le dos qu'il faut que je retire. Donc, demandez-lui d'arranger un rendez-vous pour un soin cette semaine.
Je sais qu'elle a payé, ça fait un mois et demi, mais le soin peut être fait cette semaine. On me dit que c'est le moment. When I walk in deep waters, I know that you are here with me. Vous savez, la vie, hein? Les gens n'aiment pas aller en profondeur. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes. Les gens ne sont pas éveillés. Les gens ont beaucoup l'esprit endormi. Tu sais ce qui est bien pour toi, mais tu ne fais pas. Tu es endormi. Oui. Le nombre de personnes que je rencontre dans la rue. Je te suis depuis un an. Tu jeûnes avec nous? Non. Tu te laves au sel? Non. Tu te laves au pipi? Non. Vous pensez que qui va bouger votre vie? Mais mourrez, vous nous laissez? Mourrez en vie? Vous regardez, si vous mourrez, on va continuer à vivre. Tu as un problème avec les blancs. Ce sont les blancs derrière toi. Je ne réponds même pas. Je bloque direct. Tu as un problème de personnalité. Quelqu'un d'autre se fait passer pour moi. Mais bien sûr, ma chérie. Tu vois, ma page a 500 000 abonnés. Tu peux avoir une autre page d'écrit avec peut-être 1000 abonnés. Tant pis pour toi. Quand je vous dis que vous n'êtes pas éveillé, avec tous mes business dans tous les pays où je suis, je viens de t'écrire en ligne puisque je suis derrière toi. Soyez bête, s'il vous plaît. Vous avez compris. La vidéo sur le lavage au pipi, c'est dans ma page. Allez là-bas regarder. Si vous ne voulez pas regarder, vous sortez de mon direct. Trop paresseux. Vous pensez que qui va vous sauver? Aide-moi, aide-moi. C'est tout ce que vous savez faire. Les réseaux sociaux vous rendent paresseux. Paresseux. Tu peux être avec quelqu'un tous les jours. Tu passes, il passe sur mes vidéos, il passe, il passe. Je vous ai dit, je ne travaille pas dans les urgences. Je ne travaille pas dans les urgences. Quelqu'un est dans... Oh, c'est urgent, c'est urgent. Quand il disait chaque jour, il se lave, lavez vos selles, vous ne vous lavez pas. Quand tu es dans l'urgence, que oh, on t'a dit qu'on va te tuer, tu cours derrière moi. Je ne te parle pas. Je ne fais pas les urgences. Je fais pas le travail d'urgence. Grandissez. C'est une chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en Europe. Je suis arrivé en Europe, j'avais 19 ans. Tu ne t'adaptes pas au rythme de l'Europe, tu vas rester derrière. Le rythme de l'Europe ne t'attend pas. Vous êtes là, vous attendez toujours qu'on vienne vous rattraper. Mais à un moment, on est fatigué. Lavez vos selles. Lavez vos selles. Le sel qui est dans ta cuisine, là, va te faire quoi? Ça va faire quoi de mal sur toi? Vous êtes paresseux. J'ai embauché des personnes une fois. Un jour, j'envoie l'autre au marché. En partant, sa batterie à 3%. Il est 11h30 ou 12h. Je lui dis d'abord que quelqu'un de normal, tu ne dois pas être à 3% à 11h. Tu es un père de famille. En sortant, je prends le téléphone d'entreprise. Je lui dis que arrête le téléphone dans ta main. Si tu arrives, tu ne le trouves pas parce que je t'ai demandé de t'acheter. Appelle-moi. Ou tu arrives dehors là, moi-même je peux t'appeler. Il part pour une course qui est censée faire 25 minutes. 1h20 plus tard, je l'appelle, il ne décroche pas. Quand il revient 1h35 plus tard, je lui demande que je t'ai donné le téléphone, pourquoi? Tu m'as appelé? Non, madame, mon téléphone était déchargé. Je t'ai donné le deuxième téléphone, non. Je dis, il t'a appelé, prends le téléphone, tu regardes, il regarde, il voit.
Donc, en 1h30 dehors, tu n'as pas pensé. Je ne sais pas ce qu'on a fait sur les gens aujourd'hui. Hein. Les gens sont bêtes. Hey. Les hommes, alors, hein. Je n'ai rien contre les hommes. C'est comme si les hommes ne réfléchissent pas. Et effectivement, il est parti, il n'a pas acheté le produit que j'ai demandé. Je lui dis que tu n'as pas trouvé là où je t'ai envoyé. Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire? Tu arrives, tu trouves que c'est plus cher que prévu. Tu achètes seulement un au lieu d'acheter deux. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Je n'avais pas le téléphone. J'ai dit, voilà le téléphone à ta main qui était donné. Je prends l'argent des gens pour faire la lecture des cartes. Tu es fâché, mamie. Je prends. Mamie, pardon, donne-moi ton nom, je te rembourse. Tu as compris, Kenya? Donne-moi ton nom, je te rembourse, oh mamie. Quand vous payez, je vous dis, je lis les gens toutes les 3 semaines. Il y a des gens qui ne lisent même pas, je rembourse. Tu as compris? Je t'en prie, écris maintenant, je te rembourse. Avant 1 heure de temps, tu auras aussi ton argent. Tu as compris? Voilà. Dieu m'a donné les dons de voyance. Et j'ai mes business que je gère. Je sais que ça fait 2 mois. Donne-moi tes rembourses, pardon. Il y a des gens que ça fait 3 mois, il n'est pas lu. Et là, regarde, je ne prends même plus les paiements. Hein. Tu me suis bien. Voilà. Je t'en prie, écris, je te rembourse. Ce sera avec plaisir. Avec mes cadeaux, moi. Je te donne le bisou sur ça. Je ne suis pas pour tout le monde. Je ne suis pas pour tout le monde. Quand il me lève, ma priorité, d'abord, je cherche mon argent. Et ce n'est pas les cartes qui me donnent l'argent. Tu me suis bien. Si vous dites qu'il peut m'asseoir une fois en 3 semaines pour lire les gens, sachez que ce n'est pas ça qui me donne l'argent. Et ça fait plaisir que je te rembourserai. Voilà. Quand il me met ici et bavarde chaque jour dans les vidéos, je m'assois sur les 6 heures de direct. Parce que pour moi, c'est plus important que ta tête change, que ton esprit change. Tout pour vous, c'est lis-moi, lis-moi. C'est tout pour vous là-bas. 20 000 là, 22 000 que tu m'as donné pour être. Ça fait quoi dans ma vie? Pardon, mamie. Tcho, tcho. Comment on dit dans mon patois? Ce saut. Je te rembourse. Tu as compris? Et j'ai retenu ton nom. Je te rembourse après, il te bloque. Ne me suis plus toi, s'il te plaît. Voilà. Au-delà des consultations et des cartes, réfléchissez. Réfléchissez. Et quand je suis dans mes directs chaque jour, c'est ce que je vous dis. Réfléchissez. Si vous ne connaissez pas ce que je prêche sur ma page, lavez vos selles. Quand je me mets ici, mon premier service, c'est pas. Je vous dis, lavez vos selles. N'achetez même pas mon sel. Lavez-vous au sel de chez vous. Peut-être que tu es tombé un soir dans mes directs ici, là, tu as dit que ma première chose qui passe, ce n'est pas d'acheter mes cartes. Non. Lave ton sel. Lave ton pipi. Jeûne. Ta vie va changer. Ta vie va changer. J'ai 500 000 abonnés. Sur mes 500 000, ne crois pas que je lis les cartes sur 500 000 personnes. Voilà. Je ne suis pas pour tout le monde. Je me suis dans ma liste d'attente, j'ai au moins 45 personnes à lire. J'ai lu 4 personnes. 4. Voilà. Et j'attends que tu écrives, ma chérie. J'attends. Kenya E-E-E-C-E-H. Écris, s'il te plaît. Mais en attendant, je te bloque. S'il vous plaît, CRM, une femme va écrire là-bas pour demander qu'on lui donne son. Qu'on rembourse sa lecture de 4. Je vois ici sur TikTok, son nom, c'est Kenya EH. Voilà. Donc, vous là, dès que vous recevez ça, vous passez ça en comptabilité, on lui rembourse son argent. Et ne m'enregistrez pas les lectures de cartes aujourd'hui, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes seulement pressé. Je me mets dans les directs ici, là, je bavarde. Lavez-vous au sel. Soyez conscient. Tout pour vous, c'est comment vous lisez les cartes. La lecture de cartes ne change pas la vie de quelqu'un. La voyance ne change pas quelqu'un. Discipline-toi. C'est ça qui va t'aider. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, la vie me sourit. Voilà. Toi qui t'appelles ma paix là, je suis sûr que tu n'as jamais acheté un de mes produits. Mais voilà que tes choses sont en train de changer. C'est ça mon but sur TikTok. Quand je me mets sur les réseaux sociaux, voilà mon but. C'est pour ça que les matins, mais c'est vous bloque. Parce que vous connaissez seulement bavader, bavader. Lis-moi, lis-moi. On vous lit après quoi? On vous lit après quoi?
jeûne. On a fait 7 jours de jeûne, on a fini hier. Disciplinez votre vie. Soyez conscient. Je ne sais pas ce qu'il y a de problème. Les jeunes aujourd'hui, hein, vous êtes comme des zombies. Vous êtes comme des zombies. Les jeunes ne veulent pas réfléchir. Ils prennent même l'argent pour ça, ils bousillent. Parce que vous voulez que je cours derrière vous, que payez. Dès que vous payez, non. Non. Quand je prends l'argent de quelqu'un, je vois comment sa vie change. Ça me plaît moi-même. Ça me plaît. Je peux m'asseoir, j'ai deux clients qui arrivent. J'ai pointé ma journée. Deux clients, je pointe ma journée. Mais je conseille, c'est conseil dans la journée. Là, mes vidéos ont changé la vie de 1000 personnes. C'est ça qui me plaît plus. Parce qu'on doit payer le loyer, on doit payer les factures, on doit payer les employés. Ah! Oh! Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas réfléchir. Ta mère peut être bloquée, ta grand-mère était bloquée, ton grand-père était bloqué. Tu te lèves, tu tombes sur une vidéo comme ça, tu dis que, ah, tant je peux me laver au sel, tant je peux commencer à faire des prières, tu commences à faire. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se lave au sel, qui fait ses jeûnes, qui fait ses prières, et rien n'a changé dans sa vie. Par contre, on peut vous lire les cartes, on vous fait la voyance, rien ne change dans votre vie. Moi, je vous connais. Je vous connais. Qui me bloque? Dis-moi, c'est qui? Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle est jalouse de toi. Et puis quoi? Notre génération, mon frère. J'ai regardé l'homme là comme ça le jour là. Je t'ai donné le téléphone. Si tu arrives, tu as ce que tu... Quand j'étais petit, dis quand j'étais ma grand-mère bavardait beaucoup. Je crois que mon bavardage, je tiens ça de ma grand-mère. Si tu n'arrives pas à faire les économies, c'est un problème de discipline. Jean-Paul, je suis sûr que tu ne te laves pas au sel, n'est-ce pas? Hein? Ok. Ma grand-mère n'aimait pas quand tu étais bête. Pour elle, tu dois. Elle dit réfléchis. Elle faisait toujours que l'école que tu peux apprendre là. La sagesse de la vie est plus importante que l'école que tu parles là. Que quand tu fais n'importe quoi, réfléchis. J'ai pris un employé une fois. Dans ses premiers jours de travail, on lui montre. On lui montre comment faire le rapport de la journée. Il vient, il commence à travailler. Je l'envoie acheter du matériel. Je lui dis le premier jour, il vient, il part. Il achète le matériel, il finit. Il rentre chez lui, il ne me dit pas qu'il est rentré. C'est à 22h, je demande, mais tu as finalement acheté le matériel ou pas? Il me dit, ah, j'ai oublié de vous écrire. Je dis, waouh. Que quand tu es en entreprise, tu finis ce que tu as fait. Si tu étais trop loin de l'entreprise, tu ne peux pas revenir sur place. Tu fais un rapport, tu envoies que bon voilà, j'ai terminé à telle heure, j'ai acheté finalement ceci, je n'ai pas trouvé ceci. Le lendemain, il vient, il fait la même chose. Je crois qu'à l'école, on devrait avoir les cours de communication effective. L'art de communiquer, c'est le problème de notre jeunesse aujourd'hui. Tu vois un homme, il rencontre une femme, il ne parle pas. La femme aussi dit que ben, on part où, on fait comment ensemble, on est où, on fait que. Non, il est seulement là. Jean-Paul, je t'ai demandé de laver avec le sel. Tu ne veux pas te laver avec le sel, tu laisses. Tu quittes ma page. Tu as compris. Ma première vidéo parle du lavage au sel. Va commencer à te laver avec le sel. Le nombre de femmes qui supportent des conneries de leur mari. Les choses basiques. Et c'est de votre devoir d'apprendre à vos enfants à être disciplinés. Apprenez à vos enfants à être disciplinés. Moi, je ne blague pas. Hein. Tu n'es pas discipliné, tu paies les frais de ton manque de discipline. Oui.
Oh, je suis fatiguée. Oh, je ne voulais pas partir. Mais qui? Dans la maison de qui? Tu as dit que tu veux faire le sport? Tu as dit que tu... Si on a dit que c'est 5 fois par semaine, tu m'as fait payer, non? Tu vas partir. Tu vas faire. Même si ton corps fait n'importe comment. Même si tu es malade, le lendemain, tu es convalescent, tu ne vas pas faire le sport. Vous savez ce que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez donner à un enfant? Apprenez à cet enfant à se discipliner. Apprenez à cet enfant à communiquer. Souvent, tu arrives dans ça, tu trouves les enfants que, il vient chez toi pendant les vacances. L'enfant ne parle pas. Il est malade depuis 3 jours. Tu ne sais pas. Oui, Yannis chauffe depuis. Il est dans la chambre. Quand tu pars au travail, il est en train de dormir. Oui, quand, qui est? Il ne parle pas. Pourquoi? C'est comme ça qu'il y a plein d'adultes comme ça dehors. Vous ne réfléchissez pas. Je ne vous insulte pas, mais je vous dis juste qu'il y a des lacunes dans votre éducation. Si on t'a éduqué, tu as eu des lacunes. Quand tu grandis, première étape, discipline-toi. Deuxième étape, apprends à communiquer. Ça s'apprend. Tout ça s'apprend. Ta mère ne t'a pas montré. Ton père ne t'a pas montré. Tu n'as pas eu d'exemple. Tu ne connais même pas. Apprends. Et Anna, ici, là, vous n'avez jamais jeûné. Tu ne t'es jamais privé de nourriture. Ou bien avant, tu jeûnais. Depuis 2 ans, tu as arrêté. Te voilà. Les femmes te draguent avant des autres. Est-ce que tu penses qu'on peut venir faire une cure chez toi? Pépi, est-ce que tu as déjà acheté un de mes produits? Avant de venir pour que je travaille physiquement sur toi, il faut que tu aies déjà commencé un traitement. Donc quand tu viens, je te travaille sur toi physiquement, c'est la suite de ton traitement. Ceux qui me suivent savent. Ceux qui se lavent au sel et après ils décident que, ok, je veux que la femme se me suive. On part sur 6 mois. Ne crois pas que tu viens une fois, tu fuis. Je ne prends plus les gens qui viennent pour une fois. Si tu fais seulement le sel, tu achètes d'abord un de mes produits, tu fais. Achète un kit. Tu travailles avec ça même 1 mois et demi d'abord. Voilà. Là, après, tu es sûr que tu veux qu'elle travaille sur toi. Avant, je courais, vous me faisiez courir comme une folle. Je travaille sur toi, aujourd'hui, tu fuis pendant 1 an. Après, quand c'est chaud, tu reviens encore. Il y a une comme ça au Canada. J'ai commencé à travailler sur elle l'année passée. Elle a fait 8 mois sans me contacter. L'autre jour, elle écrit que j'avais voyagé. Ton WhatsApp ne passait pas. Ton WhatsApp ne passait même pas. Pardon, quittez avec vos bêtises là. Valmy, ne viens pas expliquer comment on fait le sel ici. C'est dans des vidéos. La personne sort, il part regarder. Quand un homme veut draguer une femme, il va épier son truc. Il va chercher là où elle vit. Si quelqu'un veut savoir comment se lave au sel, il va chercher. S'il ne veut pas chercher, il laisse. Ne vous abonnez pas. Quand vous aimez les pages qu'on vous supplie, abonne-toi, abonne-toi. Ne t'abonne pas. Pourquoi TikTok me donne l'argent parce que tu es abonné à ma page? Quittez avec vos bêtises là. Tout s'apprend. Écoutez-moi bien. Si tu sais qu'avant, c'est mon manque de discipline dans mes finances qui faisait que mes business échouaient. Tu te décides. Tu commences à te discipliner. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Prends le kit fondation. Commence avec le kit fondation. Jean-Paul, la tête te bloque. Tu ne vas pas me calmer. Tu ne te laves même pas la bosselle. La tête te bloque. Je bloque moi les gens aujourd'hui. Voilà. Je crois que je n'étais pas nécessaire dans ta vie. Je t'ai bloqué. Il y a des jours où je suis fatiguée des followers. Vous êtes comme des prostituées spirituelles. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous courez partout sur les réseaux sociaux. Tu suis telle personne, tu fais, tu arrêtes. Tu suis telle personne, tu fais, tu arrêtes. Tu suis. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Comme ça, tu décides que non, je vais me discipliner. La semaine-là, 3 ex vont revenir vers toi pour vouloir coucher avec toi. Te voilà encore. Tu es au téléphone avec eux. Le temps que tu avais dit que tu allais méditer ou te reposer, te voilà au téléphone en train de draguer ou de te faire draguer. Ça affaiblit ta discipline.
Les réseaux sociaux aujourd'hui ne vous aident pas vraiment. Enfin, beaucoup de personnes, TikTok dans la main de tout le monde. C'est tout. Le temps que tu as ri un peu 10 minutes comme ça, tu as oublié là où tu partais. Tu as oublié ce que tu faisais. Or, tout se contrôle dans le mental. Tout s'attrape dans le mental. C'est pour ça que le téléphone est là pour affaiblir ton mental. On doit affaiblir ton esprit. Dès qu'on t'a affaibli, les choses ne marchent pas. Tu peux mettre ma vidéo en favori, tu ne te laves jamais au sel. Ce n'est pas parce que je suis dans tes favoris que tu vas faire ce que j'ai dit. Moi, je ne veux plus la bêtise. Je n'aime pas la bêtise. Je n'aime pas la bêtise. Quand quelqu'un est bête, je n'aime pas. Il y en a même parmi vous. Vous pouvez vous discipliner. Vous étudiez. Tu n'as pas été long à l'école. Tu apprends à lire seul. Tu apprends à lire. Tu as 40 ans. Hein? Tu apprends à bien écrire. Tu achètes des cahiers. Tu rentres le soir à la maison. Tu écris. Tu écris. J'ai appris l'anglais seul pendant que je travaillais comme assistante de nuit. Auxiliaire de vie, voilà. Je travaille la nuit. Aujourd'hui, l'esprit déjà est faible. Vous savez pas ce que vous voulez. Vous voulez seulement aller draguer les gens. Tu vois, tu es belle, tu me plais, tu es mon goût. C'est tout. C'est tout. Vous regardez les gens avec des pensées bizarres. Hier, j'ai regardé, vous avez vu sur TikTok. Je me suis dit, waouh, vous avez beaucoup de filles. Même en tant que femme, tu es sur TikTok. Le nombre de femmes nues. Nues, ça ne veut pas dire que tu as seulement monté tes parties intimes. Nues, quand tu fais un TikTok, tu es en soutien et en caleçon. Tu es nue. Des personnes avaient des corps de rêve. Elle veut seulement gagner, elle fait la vidéo, elle tourne le derrière, elle tourne le derrière. Tout ça, c'est des distractions pour ton esprit. Le bain de lait. Laure, va voir la personne qui t'a parlé du bain de lait. Hmm? Va le demander sur la page. Tu as compris, chérie? Ou tu tapes sur Google. J'ai de la peine à faire que les gens se lavent au sel. Je n'ajouterai pas le lait. Ok? Voilà. Ne m'éparpillez pas. Tu peux être quelqu'un que tu sais que en comptabilité, je suis nul. Tu vas sur Google, sur YouTube. Pendant un mois, chaque soir, tu fais des cours de comptabilité. Chaque soir, tu fais des cours. Au bout d'un mois, tu vas voir que tu te seras amélioré dans la comptabilité. Moi, en tant que chef d'entreprise, je fais toujours l'effort. J'apprends toujours quelque chose. Toujours. Et si tu es quelqu'un que tu ne t'améliores pas, tu seras toujours dernier dans la société. Malheureusement, c'est à ça qu'on fait face. Vous, quand quelqu'un est spirituel, il est bête et pauvre. Ah, la femme, là, elle est spirituelle. C'est qu'elle est bête et pauvre. Non. Quand tu t'instruis, ça veut dire que l'argent entre. Si je m'instruis, j'apprends une compétence, ça veut dire que ça me donne plus d'argent. Je peux vendre cette compétence. Je suis fatigué des followers qui sont bêtes et pauvres. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Tu veux savoir si tu vas guérir du diabète? Attends, je te bloque. Tu es sur la mauvaise page. Allez, fais vos bêtises là ailleurs. Si tu avais l'argent, le diabète ne serait pas ton problème. Il y a des gens qui ont le diabète qui sont riches. Ils ne savent même pas qu'il y a le diabète sur leur corps. On vous dit que l'argent est important dans votre vie. Vous croyez comment? Bonjour. Que vos têtes réfléchissent. Que vos têtes réfléchissent. Réfléchissez.
Tu apprends à fabriquer des choses. Tu augmentes dans tes produits que tu vends. Tu apprends comment gérer une page Facebook. Comment vendre sur TikTok. Tu as le pouvoir de changer ta vie. Décide un jour par semaine où tu jeûnes. Je ne suis pas arrogante, monsieur. Vous aimez quand les gens vous supplient. C'est parce que je n'ai besoin de rien de vous. Je suis orgueilleuse, je ne suis pas arrogante. Je suis trop fière de moi. Et c'est ça qui te dérange. Tu as compris? Oui. Parce qu'il n'a besoin de rien. Tu vois, quand quelqu'un vient, il n'a pas besoin de quelque chose de toi là. Même tes likes, j'en ai pas besoin. Même tes likes. Même ton abonnement, ne t'abonne pas. Ça énerve, n'est-ce pas? Ça t'énerve, non? Voilà. Ça, c'est moi là-bas. Je veux que vous soyez comme ça. J'ai mon orgueil. Pour ne pas aller dormir chez les gens, je travaille pas pour mon argent. Je paie ma maison. Oui. Pour ne pas travailler pour quelqu'un. Je travaille, je crée mon entreprise et j'embauche les gens. Si tu te fâches, va créer ta part de page. Je suis sûr que si tu regardes ta page, tu as 2 abonnés. Je vous connais. Voilà l'autre avec 200 abonnés. Ou cachez les faux profils pour venir me parler. Mettez votre visage. Moi, je me cache, je ne me cache pas. Mouf. Et le truc, c'est que vous êtes pauvre. Là, voilà 97 abonnés. Et il est pauvre. Voilà, la tête te bloque. Je n'aime pas la pauvreté. Je parle avec les pauvres. Voilà. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Parce que tu n'as pas l'argent. Disciplinez-vous. Créez vos business. Oui. Si tu es arrogante, c'est ce que je vous flash avec les sacs Louis Vuitton ici là. Je vous montre ma voiture. Je vous montre ceci. Si tu es arrogante, c'est ce que les photos que vous voyez. Je tape ceci. Aujourd'hui, on va faire ça dans tel restaurant. Voilà mes doigts. Voilà mes doigts. C'est même déjà quitté. Tout ça, c'est la teinture. Je travaille, monsieur. Je travaille. Ça me plaît. Ça me plaît. Comme je bosse, je fais mes trucs, mes entreprises augmentent. Ça augmente, ça grandit. Faites grandir pour vous. Quand tu n'as besoin de rien de la part des gens, ça les énerve. Ça les énerve. Créez vos business. Créez vos business. Et quand tu as créé ton business, tu as ramé longtemps. Mamie, ça veut dire que tu ne bosses pas assez. Quand je venais de commencer en 2018, je ne dormais pas la nuit. J'avais pris un bureau où je savais que si je restais là-bas jusqu'à 3 heures, souvent je me couchais sur mon sol, je dormais. Quand je n'avais pas encore le canapé. Je finis le travail 2h30, je dors. 5 heures, je suis encore debout. Vous parlez même de quoi? Eh, ça me plaît. Ça me plaît, au point. Si vous trouvez que je suis arrogant, allez avoir pour vous. Vous croyez que les 500 000 abonnés, cela j'ai ramassé? Je n'ai pas payé les abonnés. Je n'ai pas payé. C'est le travail. Vous n'aimez pas le travail. Vous n'aimez pas le travail. On aime voir une femme spirituelle comme ça, qu'elle a 20 abonnés. Quand elle fait ses vidéos, personne ne regarde. Et quand elle parle, elle n'est pas pertinente. Quand je parle, je suis pertinente. Vous savez. Mm-hmm. Vous savez. Je suis pertinente. Activités, vous allez commencer à monter. Le premier obstacle, ce sera les gens autour de vous.
Parfois, tu emploies même quelqu'un qui a le même âge que toi. Il arrive, ça l'énerve de voir que tu as autant de choses. Je bosse. Je bosse. Et je ne m'en excuse pas. Même si tu pars, même si tu me vides mon sac, demain j'aurai encore parce que je bosse. Vous voyez un peu l'assurance que ça donne? Je prie, je jeûne, je travaille. C'est comme ça. Ça ne plaît pas à quelqu'un, il saute qu'à l'air. Comment est-ce qu'on nous attaque sur les réseaux sociaux? Quand quelqu'un vient sur ta page, il voit comment tu bosses. Je bosse. Je ne peux pas compter le nombre de personnes que j'ai inspirées, qui ont créé leurs propres choses, que leur vie ont changé. Je bosse et je bosserai encore. Même si tu quittes ma page, tu reviens dans 5 ans, tu me trouveras en train de faire les mêmes choses. Je vais bosser, je serai encore plus épanouie, plus grande que ça. Peut-être j'aurai des usines dans tous les pays maintenant. Oui, parce que j'ai des projets pour le futur. Mettez vos plans. Dès que vous commencez à monter, première chose, les gens vont venir. Et elle croit que quoi? Je ne crois rien. Je crois en moi. Je crois en ça. Je crois en ça. Voilà. Ça énerve quelqu'un. Il saute, il cale en l'air. Il stoppe le temps, comme ça là. Oui. C'est ça. Quand tu te mets quelque part, tu ne supplies personne. Tu ne demandes rien de quelqu'un. Que abonnez-vous, abonnez-vous. Likez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Vous ne pouvez que vous cacher derrière les profils. Cachez-vous. Mais voilà, voilà mon visage, non. Voilà, moi voilà, non. Eh, pardon. Libérez-vous des stigmas des gens. Maman, qui vient tôt chez moi comme ça, là? C'est lequel de mes employés? Attendez. Et pas ouvrir. Parce que les gens, vous savez, parfois quand tu commences, tu te dis que comme je suis en train de faire, je travaille, tu es marié, allume dans la pièce là, ça va te faciliter la tâche. Tu es marié à un monsieur, vous établissez un business, ça commence à donner. Et il a galéré 15 ans avant de t'épouser. Ces choses ne marchaient pas, il te rencontre, tu commences à l'aider, disciplinons-nous, faites comme ça, faisons comme ça. Sa famille commence à te détester. Tu crois que c'est toutes les familles qui veulent le progrès d'un homme? Tu crois? Après, ta propre famille commence. Parce qu'ils voient que tu gagnes 100 millions, tu leur donnes seulement 2 millions. Ils ne voient pas les 20 ans que tu as galéré quand tu mettais ton business sur pied. Aujourd'hui, tu as les contrats de 100 millions. Ah, je vois qu'elle a construit. L'immeuble, si c'est son entreprise qui a construit. L'immeuble, là, c'est eux. Mais comment est-ce qu'elle me donne seulement par mois 200 000? Vos premiers ennemis, ce seront vos gens. Ne vous excusez pas de vouloir être riche. Ne vous excusez pas de bosser. Ne vous excusez pas. Parce que s'il y a les mauvaises personnes à côté de vous, ces personnes vont partir. Et les bonnes personnes vont venir. Même si c'est les clients. Même les abonnés. Si vous partez tous, demain les gens vont encore me trouver, ils vont venir. Parce que ce que j'apporte, c'est du bon. Je sais que je connais que ce que je dis est vrai. Oui. Et j'ai aussi compris que ce n'est pas tout le monde qui veut changer. Ce n'est pas tout le monde qui veut changer. Il y a des personnes que tu fais n'importe comment. J'ai un client l'autre jour est venu. Il était en surpoids. Quand je viens travailler sur lui, j'ai retiré certaines énergies qui faisaient que lui-même, il aimait trop manger. Après, il dit que j'ai envie de perdre du poids. L'envie comme ça là. Il a commencé, ça fait déjà 4 jours qu'il fait son régime. Parfois, tu te retrouves loin quelque part, tu es perdu, tu n'es plus discipliné. Il te faut juste que tu te reprennes. On commence aujourd'hui. Et c'est tout.
C'est chacun qui tient sa vie dans sa main. Hein. C'est chacun. Je vous le dis encore. C'est chacun qui tient sa vie dans sa main. Mais sachez que quand les jaloux là vont venir, ah, maintenant tu veux la grosse voiture. Hein. Maintenant c'est la grosse voiture que tu veux. Hein. Quand tu marches à pied, ça leur plaît, non? Quand tu as conduit la petite voiture là pendant 6 ans, personne n'a parlé. On aime te voir dans la voiture qui fait comme ça. Comme ça. Chaque, tous les 2-3 jours, ça se gâte. Tu vois là, tu as posé tes business, posé. Là maintenant, tu dis que ok, je vais être une bonne voiture. Je vais prendre un pick-up. Comme ça, je pourrais travailler avec. Là. Hein, elle a acheté une nouvelle voiture. Elle veut montrer que quoi? Non, je bosse. Je bosse. Oui, je bosse. Donc tous mes followers qui sont pauvres là, s'il vous plaît, ne me suivez plus. Je veux pas, ne me suivez pas si vous êtes pauvre et si vous voulez rester dans votre pauvreté. Voilà. Gabriella. L'ennemi a retardé beaucoup ton énergie. C'est une enfant qui est censée, elle est censée être sur les réseaux sociaux. Elle est censée avoir une page où on la connaît. Oui. Et elle a beaucoup de ralentissements dans le sens où on la voit mal. Donc elle arrive quelque part, c'est fait, elle, ses intentions sont bonnes, mais après, on interprète mal ce qu'elle fait. Oui. Il y a des papiers qu'elle va faire. Peut-être qu'on veut la faire venir quelque part, mais elle n'est pas brasse, ce qu'elle va faire, ça va donner, ça va marcher. Oui, elle est très créative, il faut qu'elle écrive ses idées. Et elle est aussi très connectée à ses guides. Mais il y a quelqu'un a bloqué sa mère et on a bloqué aussi l'enfant pour bloquer la mère. Donc, parce qu'on sait que si l'enfant échoue, la mère ne sera pas contente. Donc il y a un blocage qui vient du côté de sa mère. Oui. Et elle a même des dons de voyance. C'est un enfant qui peut savoir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Elle est très connectée. Très. Oui, connectée aux astres. Elle doit être sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est comme si elle a une formation qu'elle a faite, mais elle n'aime pas trop faire dans ce domaine-là. Donc, il faut que sa mère cause avec elle et qu'elle voie, dirige l'enfant si c'est ce qu'elle veut faire. Ça va l'aider. Il y a quelque chose qui est dans son esprit qu'elle veut faire depuis. Si tu lui permets de faire ça, ça va ouvrir encore plus ses opportunités. Donc, demandez, on lance la poule pour elle, on fait un sacrifice de quoi pour cet enfant? Qu'est-ce que cette personne avait dit, Mistim? Bonjour. Les employés, je fais le direct, c'est 1 heure plus tard que vous arrivez dans le direct. Allez, vos têtes. Envoyez encore les photos, s'il vous plaît. Je vais encore faire 3 personnes et je pars. Si tu blagues avec ta vie, tu vas lire. Tu peux même être dans une famille. Hein. Toi, tu vas avancer, tu veux sortir la tête de l'eau. Les autres membres de la famille ne veulent pas. Les autres membres ne veulent pas. Mais toi, tu veux. Vous savez, moi, j'apprécie tellement quand quelqu'un me dit que j'ai commencé ça seul. Je croyais seul en moi. J'ai bossé. Parce que la plupart de vos choses qui vont marcher, vous serez seul à croire. N'attendez pas que votre mère vous soutienne. N'attendez pas que votre mari vous soutienne. Tu as cru. Tu crois que c'est possible. Tu crois que c'est possible. Bosse. Bosse, même si au départ tu ne connais pas bien,
Apprends, apprends, apprends. Cherche quelqu'un. Il te forme. Va en ligne. Au départ, d'abord, tu peux aller en ligne, tu cherches les formations superficielles. Tu commences avec ça. Avec le temps. Même les vidéos, tu fais tes directs, tu vends tes choses. Une personne regarde, tu fais toujours. Chaque soir, tu es là, tu fais. Chaque soir, tu es là, tu fais. Vous voyez que je fais comment pour faire les directs de 6 heures aujourd'hui? C'est le temps. Et peu importe le problème, j'ai des choses dans mon business parfois que je reste dans ça pendant 6 mois, on ne trouve pas la solution. Ouais, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui peut nous aider à faire ça? On pousse, on cherche. Un jour, quelqu'un dit, ah, je connais quelqu'un qui connaît ça. La vie, si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Pour trouver, il faut que tu cherches. Et il y a des trous dans lesquels votre famille, vous êtes né. Par votre naissance, vous êtes né dans la pauvreté. Et vos parents, vous voulez sortir de là, vous voulez devenir riche. Mamie, tu dois bosser et pousser. Tu dois bosser et pousser. Là, je suis, à ce niveau où je suis, j'ai des personnes qui ont plus d'argent que moi. J'ai des personnes qui ont plus de business que moi. Ok? J'ai aussi des personnes que je dépasse financièrement. J'ai plus de business que ces personnes. Hier, j'étais comme les personnes que je dépasse. Demain, je serai comme les personnes qui me dépassent. C'est l'ordre de la vie. Donc, ne vous laissez pas impressionner ou décourager par quelqu'un. Ah, je suis arrivé chez l'homme là, il avait 50 voitures dehors. Ah, il avait 45 entreprises dans 50 pays. Jamais. Non. Toi aussi, tu peux. Bosse. J'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais 22 ans. J'avais 22 ans. Monsieur Soro, merci. C'est 13 ans plus tard que j'ai commencé à voir un peu. 1 et 3, s'il vous plaît. 13 ans après que j'ai commencé. Que j'ai commencé à dire, oh, ça, oui, ça va, ça va. Je suis arrivé en Afrique. Mes deux premières années, on travaillait sur les chaises en plastique. Tous les jours, chaises en plastique, table en plastique. Ordinateur, tout appareil, seconde même, tout le temps. Jusqu'à ce que je puisse maintenir. Après, je dis que bon, maintenant, il faut que j'arrange un peu le local. Le local, j'ai mis seulement la peinture. Maintenant, j'ai commencé à, au lieu de mettre les murs avec le contreplaqué, on a commencé à mettre les vitres. Vous savez que les séparations avec contreplaqué et les séparations en vitre, c'est le jour et la nuit, côté finance. Mais en attendant, tu fais d'abord avec ce que tu as. Tu stabilises les choses comme tu peux. Même s'il faut que tu prennes un employé à temps partiel. À temps partiel. Vous suivez? Tu n'es pas obligé de prendre un temps plein au début, non. Tu t'habitues parce qu'il y en a parmi vous, vous ne connaissez pas comment être patron. Donc, te fais prendre d'abord le temps partiel. Tu vois comment on gère l'employé. Tu vois comment on donne les instructions. Comment on l'intègre dans l'entreprise. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Après, maintenant, tu dis que, ok, je peux maintenant prendre 2 employés. C'est comme ça qu'une entreprise grandit. Oh, soyez. Parce que parfois tu te décourages. Tu peux commencer, l'argent finit. Tu commences, ça ne marche pas. Tu commences, ça ne marche pas. Comme ça n'a pas marché, là, tu ne veux pas travailler pour quelqu'un. Tu accumules encore l'argent. Pendant les 6 mois que tu accumules l'argent, tu te formes. Que ça a échoué, pourquoi d'abord? J'ai fait confiance à quelqu'un, je lui ai donné tout l'argent. Il est parti la manger. J'ai fait ceci. Tu vois tes erreurs. Après, tu achètes encore la marchandise. Tu relances. Ce n'est pas parce que tu es chaud dans ça que tu vas partir pour autre chose. Tu relances. À bon entendeur, il faut que j'y aille. Vous passez une bonne journée. Je bénis ce que vous allez faire aujourd'hui. Je bénis vos actions. Je bénis vos mouvements. Et que votre esprit soit encore plus ferme. Qu'on ne vous décourage pas. Qu'on ne vous affaiblisse pas. Il y a même des moments où tu dois faire le business en cachette. Un jour, je parlais avec une femme, elle m'a dit qu'elle faisait des croquettes. Son mari ne voulait pas qu'elle vende quelque chose. Elle cachait.
caché en bas du lit. Quand il sort le matin, il va travailler. Elle fabrique, elle garde en bas du lit. En journée, elle sort, elle donne, elle livre, elle prend l'argent. Et aujourd'hui, elle est aux États-Unis, elle a de grandes entreprises. Elle a de grandes entreprises aux États-Unis aujourd'hui. On s'adapte à la situation qu'on a. On s'adapte à ce que Dieu nous donne. Tu sais, je suis chez ma sœur. Je vais avoir d'abord ma maison. Ça fait 5 ans que tu es là-bas. Non? En 5 ans, tu as fait quoi? Bon. Quand il faut que ça, tu es bavard.